Mandy, tu peux mettre le lien sur l'article. Il y a le premier article de la Livaya sur Chassidut. J'ai mis le lien, mais j'ai mis le lien. Ah, il est sur chassidut.org en fait, le lien. Essaye de mettre comme on voyait la vidéo. Non, en fait, sur l'article, il y a le bon lien en fait. Essaye de faire en sorte qu'on voie, qu'on mette la vidéo en embed dessus. תעמדו בקשת רחבה שכולם יוכלו לראות. כמה שיותר פתוח תפתחו, כולם יוכלו לראות. תתרחו, יש פה הרבה מקום, תתרחו קצת יותר, כולם יוכלו לראות. תפתחו, תפתחו עוד, עוד, קשת רחבה, תפתחו קשת רחבה, כולם יוכלו לראות. Des mots de renfort. Le rabat bible qui va en dire des mots de la deuxième fois, n'est-ce pas? Le rabat bible, j'ai bien fait. Alors, David. Chez Abad, on ne sait pas d'expédier, mais toi en plus, t'es un homme de la délivrance. C'est pas une situation qui te convient. La nouvelle, elle est arrivée. C'est pas une nouvelle qui pouvait rentrer dans l'esprit. David, c'est la délivrance. David, c'est un soldat. David, c'est un battant. Le 5 Shvat. J'en suis sûr qu'il est, il va être très actif là ces jours-ci parce qu'il se prépare au 10 Shvat. C'était un jour pour lui important. Et sa disparition, le 5 Shvat, ce qui s'est passé, il faut savoir que le 5 Shvat, c'est la date où le Rabbi a rencontré pour la première fois le Rabbi précédent en 1923. Et quelques jours après, donc le Rabbi a assisté au premier Mahamar de Chassidut de son beau-père, le Rabbi précédent. C'était quoi le premier Mahamar de Chassidut en 1923? C'est le Mahamar Bati de Gani. Vaï Betsem Ayomazé, c'était le Mahamar, sauf qu'il avait un autre commencement. Donc le Mahamar de Bati de Gani, de Yud-Shvat, c'était après cette rencontre extraordinaire avec, entre le Rabbi précédent et le Rabbi. Et ce Mahamar, il va être caché pendant 27 ans.
Parce que ce Mahamar, en réalité, il n'était pas pour la sixième génération. C'était pour son futur beau-fils, c'était pour le Rabbi. Et 27 ans plus tard, il va demander au Rabbi lui-même de s'occuper de l'imprimer et de venir l'étudier, la première partie, le Shabbat matin à 8h. Et ce qui se passe à Shabbat matin à 8h, c'est la disparition du Rabbi précédent. Le Rabbi chaque année disait une partie, mais la partie de cette année, c'est sur le 11e chapitre. Et ça parle exactement d'un homme comme David. Parce que toute la partie de ce Batil Gani cette année, c'est qu'on est l'armée d'Hachem. Sivot Hachem, c'est le nom qu'on a reçu à la sortie d'Égypte. Ensuite, Hana va utiliser ce nom pour Akadosh Baruch Hu plus tard. Mais c'est le nom de l'armée. David, quand on pense à lui, c'est l'armée. Et on ne va pas faire de Espédi, mais c'est le message qu'il nous transmet. On est là, sur cette terre, pour être des soldats. Il ne s'est pas arrêté une seconde. Et ça s'est passé dans son travail. Ça s'est passé au Beit Chabad. C'est-à-dire que c'est en plein combat. Et la Mida que le Rabbi parle pour gagner ce combat, c'est la Mida Tanetzar, la victoire. La victoire, la Gemara dit dans Brachot, Vatiferet Zumatan Torah, va netzar Zubinyan Yerushalayim. C'est la construction de Jérusalem. David, tu viens aujourd'hui à Jérusalem, le 8 Shvat. Le 8 Shvat, c'est le Ayom Yom qui parle des souffrances de la délivrance. C'est le 8 Shvat. Il s'ouvre à Géoula et il faut qu'on se réveille parce que il faut des personnages comme David. David, c'est sûr et certain qu'il va faire un Fabregan sur Yud-Shvat. Parce que c'est pas quelqu'un qui pleure, David. David, c'est quelqu'un d'actif, c'est quelqu'un de joyeux. Il va partir dans quelques minutes. Mais Bezat Hashem, on aura la Géoula qui peut arrêter toute la, bien sûr, le processus. Mais j'en suis sûr que Arazetim, l'endroit où la Triat Amitim va se passer en premier, l'endroit où le Mashiach va être debout, dans cet endroit, Vamdour Aglav Alar Azetim, cet endroit-là, il va recevoir David, il va faire les Chaim là-bas, et il va faire les Chaim en haut avec le Rabbi, ils vont se rencontrer, et j'en suis sûr et certain que l'image de David ne va pas nous quitter, et on est tous dans une époque un peu bizarre là, on est avec des masques, il se passe beaucoup de choses, des choses comme ça c'est incompréhensible, ça nous dépasse. Mais ce qui est sûr, c'est que l'ayom yom d'aujourd'hui, voilà, Vanetzar Zubinyan Yerushalayim, l'ayom yom d'aujourd'hui, le Rabbi dit, le 8 Shvat, il y a des souffrances dans les Chevele Mashiach, dans le processus de la délivrance, s'accompagner comme une femme qui va pour accoucher, donc ça, ça fait partie d'une très grande souffrance, pas que pour la famille. Je vous assure que David, c'est quelqu'un qui est aimé par tout le monde, parce que c'était la bonté, c'était... Il s'inquiétait pour tout le monde et le plus, c'est vraiment, quand je pense au mot du Rabbi cette année, les soldats d'Hachem, je pense à lui. Il n'y en a pas beaucoup de soldats comme ça, mais il faut que tous ensemble, on va lui faire plaisir parce que lui, ce qu'il veut, c'est de revenir ici le plus rapidement auprès de sa famille, auprès de nous. Et pour ça, il faut qu'on achève l'exil. Pour qu'on achève l'exil, il faut qu'on soit des soldats et on a la victoire parce que comme le Rabbi dit dans ce Mahamar, toutes les forces, tous les héritages de toutes les générations sont donnés dans nos mains pour réussir. Donc Bezrat Hashem, David, on ne va pas te décevoir, on va te ramener au plus vite parmi nous, Bezrat Hashem. Rabbi Yaakov Aviv, Baden. C'est clair que dire des Espédim, pas simplement que c'est pas notre minag, mais le Rabbi nous dit au-delà de cela que l'essentiel ici c'est ve'achaitan alibo, c'est-à-dire que les gens qui sont là présents, que ce soit les enfants, que ce soit son épouse, que ce soit son frère, sa mère, sa soeur, son frère, toute la famille, tous les chsidim, tous les chayalim du Rebbe, tous les yedidim, toutes personnes qui ont connu David Shmuel, David,
ils ont à apprendre de pas simplement de son savoir, de son action. Moi, je l'ai connu maintenant plus de 25 ans. Effectivement, il venait prier à Sinaï. Et c'était quelqu'un qui ne s'arrêtait jamais. On était amené des fois à discuter ensemble. Et il me disait, même s'il y a une difficulté, alors pas simplement qu'on sait qu'il y a la difficulté, mais on va au-delà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui représente son deuxième nom, qui est Shmuel, Rebbe Maharash, le lien de l'Echatrila Ariber. Ça veut dire qu'il y a une difficulté, il va au-delà et il saute cette étape. Il m'a dit une fois, j'ai pas les autorisations pour faire la souka dehors, je vais quand même la faire. Alors je lui ai dit, bon, tu vas la faire, mais en petit. Il m'a dit, non, on va la faire en grand. Alors je lui ai dit, mais ça sert à quoi? D'ici un jour ou deux jours, ils vont te demander de la démonter. Alors il m'a dit, si déjà une personne, deux personnes, 10 personnes vont pouvoir profiter un jour de Soukhot, de pouvoir faire de la bracha, alors on a gagné. Et si déjà on va, alors on va la faire en grand, comme ça il y aura beaucoup plus de gens qui vont venir. Il avait des visions, il avait une vision où il voyait des choses en grand. C'était quelqu'un vraiment qui était Massour Venatoun sur chaque Inyan. C'était quelqu'un qui vivait, c'était quelqu'un qu'on a vu et qu'on a pas simplement apprécié, mais c'était quelqu'un aussi qui ne s'arrêtait pas. Il avait cette volonté d'avancer et à aucun moment le Hirzik Tova La'atzmo. Il ne pensait pas à lui, il ne pensait pas à ses intérêts, il pensait ce que le Rebbe demande. C'était quelqu'un qui n'avait aucun problème. Et si on va dire de son Beit Chabad, on peut compter en France le Beit Chabad qui bougeait dans le lien de la Veli Matamashiach, le lien du Mashiach, le lien du Rebbe, tout ça, ça vibrait chez lui. Parce que mon père, Alav Shalom, il l'a rencontré, il a dit, voilà, Mesod, on va préparer ensemble la venue de Mashiach. Donc il s'est lancé, il a dit, on va faire sortir des affiches avec tous les amis qui étaient là, Ibadal Lechal Tovim, Yitzhak Isakovitch, Pachter, et tous ces gens-là, ils étaient là, ils vivaient vraiment le lien de Mashiach, Beyeter Set ou Beyeter Oz. Effectivement, comme a dit le Rav Michael, il est là, mais il est clair et il est sûr que en tant que Kol Ayotze Bimilchemet Bet David, alors il fait vraiment partie de ces Chayalim-là, de Bet David, qui sont effectivement ceux qui sont là et qui nous amènent la venue de Mashiach. Il est clair qu'il va être Poel en haut. En plus, on est aujourd'hui Benyan de Shivim, c'est le 70e année de la Nesiout, que lui, il va vraiment être Poel pour faire descendre le Rebbe, Vebezat Hashem, Vakitsu Yeranou Shochneafar, Kiryat David Chana, qui est appelé Yerushalayim, qui est un endroit qui est vraiment propice, comme je sais très bien aussi qu'il m'avait dit, il n'y a pas encore très longtemps, qu'il avait aussi des ambitions à faire venir les gens ici en Eretz Israël. C'est quelqu'un qui avait un amour pour Eretz Israël. Maintenant, ce qu'il faut à nous tous de se dire, c'est que Bezat Hashem, que sa shlichut puisse continuer, Beyeter Set ou Beyeter Oz, que ça puisse vraiment le Inyan, que ça puisse vraiment nous amener, nous tous, une bracha, et que Bezat Hashem, Vakitso Varanou Shoknafar, le Rouper Rocham Bezat Hashem. Amen. Un peu avec la main. Ils sont prêts à faire bugger des liens. Attention, ça rebondit.
מכתם לדוד שומרי יעל כחסיסי בו אמרת לדוי אדוני אותו חרוסי בעל עליך שישים אשר בארץ אימא ודירי כוחפסי בב ירבו עצמותם אחר מאור ונאסיך תסקיים מדם ובעל עשה את שמוסוי לכן שמח ליבי ויגל כבודי אב בשרי ישכון לרתח כי לא יעזור נפשי לשאול להוסיף אין חסידך לראות שוחד תודעני אורחיים סובה שמחות אספניך נעימות במנחה נצח אמן. 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 הלוויה יוצאת בדרכה להר הזיתים וכולל חב"ד. אבנים, כמו שדיברנו, יוצאים עם הרכב לפני הלוויה. חלקה ג' צריכים להגיע מוואדי ג'וז, מוזיאון רוקפלר, יש לנו מאבטחים שהם שני רכבים, יצאו אחרינו, יש שני כזה פעמים מאבטח, רכב מאחורה בסוף, שמאבטחים איתנו, ודירות שם avec des la sécurité, votre motivé. On doit couper, אבל תתחיל עם הלוויה, חולה מקשב, גם הבנות, תביא לי איך אני אעשה את הלוויה. הנה יש שם מלא על הטנדה. Thank you.
Takel bi shloisha de vor mi na to bol de ave ro da me ay bo so lo na to ile ve di nei mi a to zit ne kesh moy so mit bo so lo na to ile ke koy mo vor mi se ile yo ve lif nei mi a to zit ne kesh moy di nei melak mal khay am lo khim a ko dis bo vu ve u ra go mi khape o vo in de ya shkiz ve u bolo si na toy ve lo yo hir kol khamosoy Amen. 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 להתקדם לשעה, לשעה מפתח נעלם, אנחנו...